Salut à tous, c'est Toro, on se retrouve pour une petite vidéo découverte. Ça faisait longtemps, je vous avais pas laissé tomber, mais il faut comprendre, j'ai... Comment expliquer pour pas qu'on se moque de moi? Il y a GTA V qui est sorti, voilà, tout simplement. J'étais sur GTA, j'ai déjà enfin, j'ai terminé GTA. Maintenant, je me teste un petit peu au multi, qui est pas mal, franchement, surtout qu'avec un bon petit crew, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui sont connectés, de jouer avec des gens qu'on connaît. Donc voilà. Mais bref, on revient à la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est en fait la vidéo découverte d'un jeu qui est quand même sorti il y a un petit moment, c'est Red Faction Armageddon. Je m'y étais jamais intéressé, parce que ce côté un petit peu trop science-fiction, je sais pas en fait, j'étais habitué comment dire, à un Red Faction assez... Enfin, avec son style et tout, il n'y avait pas trop de dérives science-fiction, mais là, ça y est, on est en plein dedans. Avec des démons, enfin, des démons. Avec des espèces d'aliens. Enfin, vous allez voir, c'est un peu particulier, donc j'ai jamais essayé, j'ai un peu vu des vidéos et regardé des photos. Et voilà. Donc, ce jeu, je me suis procuré grâce au Humble Bundle. Ça ne vend pas, c'est vous donnez ce que vous voulez, vous avez toute une petite liste de jeux. À partir d'un certain montant, vous en avez plus. Et voilà. Donc, voilà. Vous donnez vraiment ce que vous voulez pour avoir Red Faction. C'est vraiment comme vous le décidez. Je mettrai un lien dans la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Oui. En même temps, les jeux que vous pouvez avoir pour moins de 6$, c'est donc Red Faction Armageddon, Guild 2, un jeu de... Enfin, deux jeux de stratégie, donc c'est... Putain, j'ai perdu le nom, il y a Commander dedans. Ça va aller. C'est un jeu fort connu et très bon en plus. Désolé, ça me revient pas, mais allez voir, vous verrez tout de suite de quoi je parle. Il y en a deux, enfin c'est deux fois le même jeu, son add-on et le jeu. Voilà, donc nouvelle partie, on lance tout de suite, on va lancer en normal. Donc j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, là maintenant c'est la vidéo. We settled Mars over a century ago. Making this dusty rock our home wasn't easy. But the promise that led us across the void was freedom. Something my family's bled for many times. For generations, we Masons have fought for the Red Faction. Many were heroes. But heroes have enemies. And one, a self-styled messiah named Adam Hale, has returned with an army to conquer Mars. It's a war he's losing. Now Hale's cultists have captured the Terraformer, the one thing keeping our atmosphere stable, and plan to destroy it. If the Terraformer goes down, we go down with it. We're approaching the target, so listen up, people. Intel confirms that Marauder cultists led by Hale himself have overrun the Terraformer. Red Faction Command speculates that Adam Hale is planning a Pyrrhic victory. What, Sarge? In other words, Private, the cultists have gone kamikaze. See that nasty storm front ahead? Hale's already monkey wrenched one of the atmosphere generators. Yeah, and what's a monkey wrench? It's a Pyrrhic victory. You're my specialist. Darius Mason, third engineers. Mason. Should have figured you'd volunteer for this one. You better know your shit. Because once the hostiles are down, we need that damage reversed before the whole damn sky falls in. Understood, Sergeant. Remember, Adam Hale is kill on sight. Now lock and load. Conditions deteriorating. Hang on, it's gonna get rough. Ok. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà au premier abord, c'est que c'est plutôt joli. Enfin, je trouve. Par contre, ça me fait terriblement penser à du Gears of War. Du Gears of War et peut-être même du Dead Space, vous allez voir. D'après les vidéos et les photos que j'ai vues, toujours. Voilà, utilise la souris pour regarder en haut. D'accord. Désolé, je buvais un morceau de café. Un petit coup de café. Pouf. Bon, visée automatique, sympa. Bah, dans les trois quarts des jeux, je peux pas voir devant mon perso. Ça, je peux ramasser, ce sont des balles. Je suis au max. Okay. Ok.
Casser le mur, classique. Donc je joue au clavier souris pour l'instant, si je vois que ça ne me convient pas. Donc voyons. Donc c'est bien du Red Faction. Décor destructible. Physique ou pas de physique? Bon, pour l'instant c'est dur à dire. Ok, ça passe pas. Il n'y a pas envie de me laisser passer, voilà. Entrer dans le terraformer. Donc c'est ce qui est en fait un canon à plasma. Tir des rayons de plasma qui perfore les objets avec une force dévastatrice. Ok. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce que je dois faire? Max, max. Ok. Le métal vous permet d'améliorer la nanoforge, la capacité de combat, récupérez-en grâce à l'exploration et à la démolition. Ok. Bon, jusque là, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt fluide. C'est plutôt beau. Bon. Ok. Donc c'est shift pour courir, classique. Une touche pour s'abaisser? Non, pas pour l'instant. Ah si, voilà. Reproduire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par reproduire? Last day in uniform tomorrow. Sur les journaux. I don't know how I feel about that. Red Faction is all I've known my whole life. But I made a promise to... Damn it, door's blocked. Knocking out the power sources should lower the shield generator. Détruisez les tours solaires. Qui sont où? Qui sont là? Je crois que c'est ça qui veut parler. Oui. Avec quoi? Avec ceci? Ah, d'accord. Ok. Ah putain. Ah non, c'est la folie, quoi. J'espère vraiment que le son n'est pas trop fort. Ou est-ce que j'ai encore des balles là? Qu'est-ce qui explose comme ça? Je pense que tout explose un petit peu. Bon. Pas de système de couverture, j'ai pas l'impression. Ça, ce sont des potes. Et où sont-ils, les fameux séides dont on nous parle tant, là-haut? Ça c'est fait. J'ai un petit peu n'importe comment là, j'avoue. Il est mort. Ok. Par contre, que le level design enfin le caractère design, pardon, pas excellent. Ça, c'est que mon avis. Hein. Point de contrôle atteint. Ok. Petite vidéo. Et moi, je rebois un coup de café. Wow.
Ok, ça pète pas mal. Trouver les renforts Seïd. Ouais, d'accord. Mason, thought we'd lost you back there. I was taking a shortcut. That shit ain't funny, soldier. Now get your ass inside and stop Hell before he completes his plan. Roger that. Stay focused in there. It's swarming with hostiles. Ça devait être un bâtiment à l'époque ici, je pense. Je récupère tout ce qu'il faut récupérer. Je voudrais juste vérifier un truc. Hop. Si le bâtiment finit par s'effondrer lui-même, un petit peu comme dans Red Faction Guerrilla. Pas. Ouais, j'ai bien l'impression que oui. Ah non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas envie de faire toute ma vidéo sur la destruction de bâtiments. C'est pas le but. Le but, c'est de découvrir avec vous ce jeu. Que je connaissais pas. Enfin, de nom, mais c'est tout. Ah putain, en effet, il fait des dégâts. Pour ce qui est de la vie, je suppose que c'est la petite barre orange à côté, oui, c'est ça. À côté de mes munitions, qui m'indique ma vie qui remonte toute seule comme dans la vraie vie. Vous savez bien. Bon, pour ceux qui savent pas, la vraie vie, c'est le truc que vous voyez quand vous allez pisser. Alors... Putain, il y en a quand même pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est pas très difficile. C'est ok. Donc c'est assez dynamique, hein, ça y a pas à dire. On va essayer de ramasser un maximum de choses. En fait, ce jeu, je l'ai pris dans le but de jouer en coop. Il paraît que le coop est sympa. Et comme Kaskel l'a pris aussi, bah écoutez, ce sera l'occasion de faire une vidéo coop sur ce jeu. Enfin, j'espère qu'il va apprécier. Il est assez difficile, hein, vous savez. C'est pas toujours facile de le contenter. Réparer le pont. Maintenez souris 3 pour... ok. Comment se passe la réparation? C'est vraiment particulier, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ce système de réparation de... Alors que d'habitude c'est que de la... Je voudrais essayer un truc encore. Ah, il répare vraiment tout ce qui était détruit quoi. Je parie que même la barrière je pourrais réparer. C'est le top. Bon, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Give me a sit rep, Sam. No movement detected in the cargo bay. Good. I could use a breather. Ok. Bien. Max. En tout cas, je vous avoue que là, je suis agréablement surpris. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup... bon, c'est pas non plus du... On a vu plus beau maintenant, mais c'est quand même pas dégueulasse du tout. Hein. Ça, c'est... Faut être honnête. Avec les lunettes de Riddick. J'ai encore du café, incroyable. Sam, I need a plan of attack. That's not a plan. Ah oui, d'accord. Ah oui, il a l'air sympa, lui. Running out of cover here. Use the nano forge to repair the cranes. Oh, right. Il a pas mal. Hein. Ça
ça te bousille des bâtiments complets, mais lui non. Et en plus, j'ai pas bien écouté ce qu'elle me racontait, l'autre gonzesse. Ah merde. Ah ouais, d'accord, utiliser ça. On peut réparer ses propres couverts. Et ça, franchement, c'est pas mal. Bon, ça sert à rien, en l'occurrence. Bon, j'ai l'impression que je lui fais pas des masses de dégâts avec ça. Ah. Il n'y a pas un bouton d'esquive, non? J'ai pas l'impression, hein. Je vais essayer de le rapprocher. Oula. D'accord, je vais crever. Je vais crever, les gars. Quoique la vie remonte quand même assez vite. Quelle saloperie, putain. Oh, ça va mieux. Ouais, sauf quand il m'envoie chier comme ça. Là, j'avoue que c'est pas super cool de sa part. Bon, tout d'un coup, sa vie descend beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Alors, c'est moi qui vise quelque chose que je dois viser, j'en sais rien. Toujours est-il que je l'ai eu. Hop, pour rentrer dans le terraform. Tu permets, d'abord, je ramasse un peu tout ce qu'il faut. Mais je me suis fait un success team. Hey, pourquoi j'ai pas pu faire ça, moi? Alors, on va continuer encore un petit peu. C'est A pour l'impact. Ok, j'aime bien. I'm inside. Good. The cultists have tripped down to every security system in the building. Every sector is on lockdown. You'll need to clear each one before the system reboots. Yes, sir. Hurry. We don't have much time. Seulement, j'avais mal de comprendre l'utilité de ceci quand on a cela. Mais bon. Ça va sûrement se vérifier après, je suppose. Je suppose que... Attendez, regarde, si je fais ça... Ouais, ouais, ça casse aussi. Hein. Bon, un peu moins fort, mais au final, ça casse. Bon, bref. Bon, Céide en approche. C'est juste dommage que les sous-titres se barrent dès qu'il y a une information qui s'affiche à l'écran. J'espère vraiment que le son n'est pas trop fort. Ah bon. J'ai pas tout compris. En gros, c'est un messie, il vient de parler à ses enfants. Un peu particulier. Il y a tout qui pète, bordel. On récupère, ça permet toujours de... Ça peut être utile. Ils sont résistants, hein. Ça, c'est, j'ai jamais compris pourquoi, vous allez voir, dans les jeux vidéo, ils se cachent toujours derrière ce qui pète. Comprends pas. La flemme de sauter, je trouve ça génial ce système de réparation. De toute façon, fallait même pas que j'aille par là en plus. Ce qui donne encore plus de liberté du coup au décor, parce que vous pouvez le détruire entièrement, vous en foutez, vous pouvez quand même, de toute façon,
Réparer pour aller là où vous devez aller. Meurs. Tiens, je voudrais essayer un truc. Sympa, 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 sympa. Ok. Il y a vraiment tout qui est destructible, hein, c'est... Bon, évidemment, ils n'ont pas... Ah si, putain, tu peux tout péter. C'est incroyable. Oh, bon, pas tout. Mais pas la structure principale. Heureusement, à côté. Et tout le jeu, ça aurait une immense ruine. Ça aurait tout pété. Reproduire, reproduire. Un peu. Je vois pas du tout la traduction de ce truc, reproduire. Je comprends pas pourquoi. Fait le con là, c'est moi qui suis caché. Je critiquais l'IA tantôt et je viens de le faire. Logique. J'avais juste envie de faire ça. Voilà, je suis content. Juste aller ramasser un petit peu ce qu'il traîne ici. Je sais pas, ça fait déjà combien de temps que j'enregistre, mais voilà, je comptais faire le premier, la première partie du jeu. Ben, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'adore péter des trucs. De faire le con et encore avancer un petit peu la salle des turbines. Super. Arrêtez les séides. Ok, ça je peux faire. Il y en a un derrière, je crois. Non, je rêvais. Ah oui, non, il est là. Bon, il est quand même assez pervissif, hein, faut l'avouer. Enfin, faut dire aussi que je suis en normal, donc c'est pas non plus... une difficulté incroyable, mais là, ça me semble vraiment fort facile. Et je trouve que la vie remonte très, 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 très vite. Avec les ennemis qui s'amusent à tout détruire en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ok. Réparer les turbines. Ah ok, ceci. Là. We need to stop Hale now. Ok, ok. Ce
sauver le terraformer. Bah ouais, on va faire en sorte que... Non, il n'y a rien à réparer, d'accord. Hop là. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. J'ai juste gouré de touche. Le méchant me fait un peu penser à Ghost of Mars en fait. Je sais pas si vous avez vu ce film. Plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa. Regardez-le, c'est mieux. Les esquives latérales, c'est avec le saut. Est-ce qu'il va rire aussi? Mais est-ce qu'il va avant? Il fait juste ça, ok. Bon, je vais juste le faire pour mes succès. Hey Donnie, somebody screwed up our order. We needed a C5 XOC. The loader unit? Not a damn Shiva. Something like this even happened. We need to stack coolant, not blow it up. Get it out of here before someone gets drunk and takes it for a joyride. De nouveau. Ouais, ils font pas que du bien. Oui. Il me dit bien d'aller par là, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Ok, bon, il veut pas. Donc je fais quoi dans ces cas-là, jeune homme? Peut-être vider la pièce, hein, on va voir. Ouais, à mon avis, c'était ça. Hop, on y va. Bien, bien, bien. Oui, c'était ça. Need to get this bridge moving. Sam, can you find the controls? On continue. Ok, un nouveau boss. Ah, je crois que c'est un boss. Ah bah je crois que ça l'a eu. C'était un petit peu trop radical, mais bon. L'idée était sympa, non? Trouver Adam et il. C'est fait par là. It's gotta be somewhere. Mason, is the target there?
this way. Reported by who? Wounded rifleman. Just passed him near the main reactor. Only friendlies in this section are you and me, soldier. When the terraformer fell, the surface became a storm-blasted wasteland. We were forced deep underground into caverns and mines. In one moment, Adam Hale had crushed decades of Martian hopes and dreams. Sergeant Winters told me the mission's failure was not my own. It sure as hell didn't feel that way. Bien écoutez, on va laisser la vidéo, mais on va s'arrêter là après. En tout cas, début, en tout cas, assez sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Et la suite va être pas mal. Donc, on voit que c'est un peu la merde sur Mars, hein. Sorry, Kara. I got a big job up in Bradbury Canyon. I'm on my way topside. The hell you are. A monster storm just rolled in. Yeah, well, for a payday like this, I can take a little wind. See you when I get back. Darius. It's a Franklin amulet. It's supposed to protect against lightning. Can't hurt. Just up ahead. These look like old Marauder ruins. It's something like that. So what do you need me to do? There's a lower chamber we're trying to get to, but the tunnels aren't stable. Word around Bastion was you could get through. I'm flattered. So, what are you after? Artifacts? Forgotten loot? Thought your policy was no questions asked. Pardon. Et bien voilà, donc là on dirige un mecha, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo découverte vous a plu, moi en tout cas ça me tente bien, on verra hein, sur le long terme. J'espère vraiment que Gaskell va accrocher pour qu'on puisse le faire à deux. Je ne sais pas du tout si c'est la même mission, de toute façon on refera des vidéos. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne matinée, journée, soirée, ça dépend. Je vous invite à partager les vidéos, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.